pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Le verset 6 dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'attrister. Sais-tu que alors les sept disciples s'approchèrent et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Verset 13, et répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Le verset 14 dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Comme nous voyons ce chapitre du jour, nous allons voir les traditions des gens religieux d'une part et la vérité que Christ est venu accentifier d'autre part, la vérité qui sauve, qui sanctifie, la vérité qui nous conduit dans la voie du royaume de Dieu. Tout ce qui est différent de cela, tout ce qui diffère de la vérité de la part de Dieu qui peut sauver une âme, parce que depuis l'enfance, tu connais les Écritures, la vérité qui est en mesure de sauver ton âme. Et puis c'est dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Tout ce qui diffère de la vérité qui sauve, de la vérité qui sanctifie, de la vérité qui nous établit dans le royaume de Dieu, n'a pas de valeur. Donc, quelle que soit la chose, la tradition, l'opinion, les rites religieux, les cérémonies religieuses ou un groupe de personnes, si cela détourne la pensée des gens du salut, cela détourne les gens de s'apprêter pour le ciel. Ça, c'est la tradition des pharisiens et des sadducéens. Et Jésus a dit que toute plante que n'a pas planté, mon Père céleste sera déraciné. Toute doctrine, toute opinion, toute idéologie, tout genre de système non établi sur la vérité de la parole du Père céleste sera déraciné. Évidemment, les perpétrateurs de cette fausse doctrine sera déracinés eux-mêmes et abandonnés, et ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, nous devons décider de rester du côté de la vérité, du côté de la révélation de Dieu, du côté de la justice qui provient de la foi en Dieu, au lieu d'embrasser les traditions humaines. C'est pourquoi nous considérons le sujet du jour qui est abandonner en permanence les traditions captivantes et embrasser la vérité durable. La vérité durable, la vérité qui dure, la vérité qui nous aide à demeurer dans le Seigneur et avec le Seigneur. Nous déracinons, nous abandonnons, nous détruisons en permanence toute cette tradition séduisante, captivante, et nous demeurons dans la vérité, nous embrassons la vérité, nous croyons la vérité et nous intériorisons la vérité, nous prêchons la vérité, nous proclamons la vérité en permanence et constamment. Et nous restons, nous demeurons pour la vérité en public, aussi bien qu'en privé, à l'église, aussi bien en dehors de l'église. Abandonner en permanence les traditions captivantes et embrasser la vérité durable. Nous allons voir trois sous-titres ici. Un,
les fondamentalistes sans grâce dans une transgression terrible à travers la tradition. Ils professent être fondamentalistes, mais ils sont sans grâce. Le fondamentalisme sans la grâce, sans le salut, le fondamentalisme sans la foi en Christ ne sauve personne. Et ils restent dans leur transgression terrible à travers leur tradition. 2. Le sort triste ou tragique des enseignants pris au piège des traditions en vogue. Les traditions qui sont en vogue, alors ils s'accrochent à ces traditions, la tradition ici, la tradition là-bas, et les gens croient que, oui, parce que c'est la tradition en vogue, alors dans tout pays, dans une communauté, dans ce quartier, dans cette église, parce que c'est en vogue, alors ces prédicateurs, ces dirigeants sont pris au piège. Ils sont pris au piège par leur idéologie. Le sort tragique des enseignants pris au piège des traditions en vogue. Numéro 3, c'est la grande foi pour une transformation totale à travers la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils qui est la personnification de la vérité, si vous affranchit, vous serez réellement libre. La grande foi pour une transformation totale à travers la vérité. Nous allons au premier point. Les fondamentalistes s'engraissent dans une transgression terrible à travers la tradition. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Première session, c'est la tradition d'une justice extérieure sans le salut. 2. La transgression des réformateurs exploiteurs sans la sincérité. 3. La transformation accompagnée d'une justice évidente par le Sauveur. Nous allons à la première partie ici, qui est la tradition d'une justice extérieure sans le salut. Matthieu 15, verset 2 nous dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus a dit au verset 3, il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Les pharisiens étaient les dépositaires de la loi au temps de Jésus-Christ en Israël. Ce sont eux qui défendaient au sérieux toute l'ancienne alliance, le testament que Dieu leur a donné. Ce sont eux qui étaient les défenseurs de la foi à l'époque-là. Et tout ce qui a été donné dans l'Ancien Testament, ils croyaient que il devait tout superviser. Ce sont eux qui doivent veiller sur tout et doivent préserver tout ce qui a été donné. Mais malheureusement, numéro 1, ils n'ont pas veillé sur les prophéties. La prophétie que Christ viendra, que tout est là, en Genèse, en Exode, en Deutéronome, dans les Psaumes, en Ésaïe, en Jérémie, jusqu'à Malachie. Ils n'ont pas bien veillé sur les prophéties de ce qui devait venir et comment Christ devait venir. 2. Ils n'ont pas veillé sur les promesses de Dieu. Déjà, ils ont remplacé la parole de Dieu par des traditions. Donc, les promesses que le Seigneur a données, ce que le Seigneur fera lorsqu'il viendra, il les sauvera, il les pardonnera, il les guérira, il amènera la pensée de Dieu à eux. Mais ils n'ont pas veillé sur cela. Ils n'ont pas veillé sur les expériences personnelles qu'ils peuvent faire. Les expériences personnelles comme Abraham avait, David avait, Samuel avait, Enoch, Élie, les expériences qui peuvent nous relier avec Dieu. Ils n'ont pas veillé sur ces choses. Maintenant, ils veillaient sur ce qu'eux-mêmes ont amené à leur propre compréhension de la religion. Il y a des gens de
Il y a des gens comme ça. Des gens comme ça peuvent se trouver en notre sein. On vient ici, nous avons entendu la parole du salut. Nous avons entendu la parole de la sainteté. Nous avons entendu la parole d'être prêt pour aller au ciel. Nous avons entendu la parole de prophétie que Christ revient et il viendra, les morts ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons préenlevés avec eux. Alors maintenant, on ne veille plus sur les prophéties, on ne veille plus sur les promesses, on ne veille plus sur la grande commission que le Seigneur nous a donnée maintenant. Nous avons des traditions, des dénominations, les traditions et les opinions, et nous veillons sur ceci et là, nous oublions la parole que le Seigneur nous a donnée. Et puis Jésus a dit que ces pharisiens-là, qu'ils annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Il y a des gens aujourd'hui, où est-ce que vous vous appuyez? Est-ce que vous vous appuyez sur les traditions, sur les idées? Ces traditions sont très simples. Peut-être on commence le culte à 7 heures. C'est nous qui avons fixé l'heure, c'est nous qui avons donné l'heure, que le culte clôt à 7 heures, c'est nous qui avons fixé l'heure. Si on veille sur ça, plus qu'on ne veille sur la repentance des gens, sur la restauration des gens au Seigneur, sur la préparation des gens pour le ciel, sur l'obéissance des gens à la parole de Dieu, et avoir la grâce de vivre dans la justice, et on ne veille plus sur la sainteté, on veille sur l'heure. On ne veille plus sur la vérité de la parole de Dieu qui sauve, qui nous fait demeurer honnêtes, intègres, véridiques, mais on veille sur les choses extérieures. Il y a des gens qui veillent sur l'habillement extérieur, ce que vous utilisez, les bijoux ou pas, ou vous portez une longue robe ou pas, ou bien en tant que fille, si votre jupe atteint ou pas. On ne veille pas sur la colère dans le cœur. On ne veille pas sur la jalousie qui est dans le cœur. On ne veille pas sur la justice intérieure et la sainteté intérieure que Dieu espère. Alors, on devient comme les pharisiens. Alors, on est si sérieux, si strict et sur ce qui n'importe pas au ciel. Et nous sommes nonchalants et négligents au sujet de ce qui doit nous amener au ciel. C'est pourquoi Christ leur a posé la question. C'est dit que, et dit, verset 3, il leur répondit, vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Nous allons au chapitre 23, Matthieu 23, 25. Matthieu 23, 25 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous comprenez? Christ est rempli d'amour, Christ est doux et humble, mais cependant, s'il connaît quelque chose dans la vie des gens, dans le cœur des gens, que ceci ne va pas les aider à aller au ciel, et ceci va empêcher les autres à aller au ciel, parce qu'ils sont les dirigeants du jour et les dirigeants du peuple, alors Christ serait très fort contre eux, et il allait condamnerait l'attitude, la tradition là, et cette disposition qui essayait de dire que oui, nous sommes les gens intègres, c'est nous sommes les gens qui vous dirigent, c'est nous qui vous dirigeons, et ils sont là pour leur barrer la voie. Alors Christ était très ferme pour dire que malheur à vous scribes pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Le verset 28 dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. C'est ce que nous devons veiller. C'est ce que nous devons examiner dans notre cœur. On a essayé, beaucoup de personnes ont essayé de maintenir la forme extérieure de la vie profonde
Alors, ils ont essayé de former, de garder l'extérieur. Et ils sont très stricts sur cela. Mais l'intérieur est négligé. Il n'y a pas le temps pour prier. Il n'y a pas le temps de s'examiner. Il n'y a pas le temps de dire que suis-je prêt pour l'avènement du Seigneur? Est-ce que je veille sur les principes de la parole, les prophéties de la parole, les promesses de la parole? Est-ce que j'ai en moi le cœur qui obéit au Seigneur à tout moment, ou bien c'est seulement les choses extérieures? Oui, maintenant, on est très sérieux, sévère sur ceci, ceci. C'est pourquoi Jésus a dit que oui, cette religion extérieure qui est fondée sur la tradition qu'on établit ici et là n'importe pas devant Dieu. Parce que nous sommes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà le verset 32. 33 du moins. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Voyons la deuxième partie ici. Nous voyons la transgression des réformateurs exploiteurs sans la sincérité. Voilà, ils veillent sur le lavage des mains. C'est une chose religieuse. C'est pas que ils pensent aux batteries d'humains, ou du moins aux germes, aux microbes. Ils ne pensent pas à la santé des gens. Bien sûr, si vous devez garder la santé, il faut garder, obéir à l'hygiène. Vous êtes allé aux toilettes, vous êtes sorti, vous devez vous laver les mains. Alors il faut observer, oui, l'hygiène, c'est bon. Mais eux là, ils font cela à cause de la religion et disent que tes disciples ne se lavent pas les mains quand ils mangent. Mais le Seigneur Jésus, lui, il les a corrigés. Ouais, ils sont des gens exploiteurs. Ils croient qu'ils sont pour la réformation. Ils voudraient réformer le pays, réformer la religion et réformer les actions des gens. Y a-t-il des gens en notre sein? Ils viennent au milieu de nous, ils deviennent ouvriers, des dirigeants, et puis regardez tout ce qu'on fait, le salut, la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit, être prêt pour l'enlèvement du cœur. Ceci n'est pas leur intérêt, que leur intérêt, c'est qu'on doit réformer l'Église. Alors comment vont-ils réformer l'Église? Alors ils doivent couper et réduire le temps de prédication, ce qu'ils ont appris dans le monde, dans leur profession, que voici comment les gens doivent parler, voici la façon d'interpréter la parole de Dieu, voici comment les gens doivent avoir cette attitude. Alors la communication, ils voudraient réformer notre communication, ils vont vouloir réformer notre application de la parole, ils voudraient réformer le temps de notre adoration du Seigneur, ils voudraient réformer notre mariage, réformer tout. Non selon la parole de Dieu, comme les pharisiens, alors tout ce qu'ils voudraient faire, c'est de réformer Christ. Lui, il est venu du ciel. Il a apporté le message du ciel. Mais pour eux, c'est que eux, ils ont leur idée de la religion. Ce que toi, tu apportes du ciel, quel que soit l'objectif de conduire les gens vers le ciel, cela n'est pas leur souci. Leur souci majeur, c'est que qu'ils réforment. Et ils pourraient vous arriver, ils pourraient vous atteindre, vous demander votre secours afin que vous joigniez à eux et que vous soyez, vous formez une clique dans l'église, un groupe spécial, une faction dans l'église. Et pas pression, pas force, pas toute chose, pas hypocrisie et pas mensonge, vous allez vouloir réformer l'église afin que vous deveniez, qu'on devienne une église nominale. Je prie que Dieu ne leur permette pas de réussir. Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Voyons le verset 5. Verset 15, verset 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pour prendre soin de mon père, ma mère,
je l'ai déjà donné à la synagogue, je l'ai donné au temple. Donc, je ne peux plus prendre soin de mes parents. Toutes mes ressources sont données au temple. Et Jésus a dit au verset 6. Et dit, verset 5, dernière partie du verset 5, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Est-ce que nous faisons cela? Que maintenant, nous lavons le cerveau des jeunes afin de ne pas honorer leur père, leur mère. Nous allons vouloir remplacer leur père, leur mère. Tout ce que nous leur disons, c'est ce qu'ils font. Et si l'enfant dit, mais la Bible a dit, il dit, ceci c'est l'église. Moi, je suis ton dirigeant ici. Et lorsque je te dis de faire ceci, c'est fini. Maintenant, ce sont des gens comme des pharisiens. Non seulement le père, la mère, la Bible a dit dans le Nouveau Testament, c'est dit que obéissez à vos conducteurs. Vous avez un pasteur, un dirigeant, un berger, un enseignant de la parole de Dieu. La parole de Dieu est très claire. Obéissez à vos conducteurs. Alors vous êtes soumis à la parole de Dieu qu'on vous enseigne. Mais ces pharisiens et ces scribes viendront vous dire qu'il n'y a rien de ça. Il n'y a rien comme ça. Nous essayons de réformer l'église, de ne pas regarder un homme, de ne pas regarder une dirigeante, quelqu'un là-bas, que c'est nous qui sommes ici et c'est nous qui contrôlons l'esprit de tout le monde. Même le pasteur doit être soumis à ce que nous voulons. S'il ne veut pas, il sait. Nous allons, lui, vraiment, il verra. Il verra ce que nous allons faire. Nous allons le traiter de diverses manières. Alors, n'avons-nous pas changé la parole de Dieu? N'avons-nous pas fait notre... N'avons-nous pas apporté notre réformation pour avoir la suprématie au-dessus de la parole de Dieu? Et Jésus a dit, par leur tradition, ils ont fait cela. Et cela n'est pas la bonne chose. Il y a des gens qui en tirent profit. Et Galates chapitre 1, 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. C'est comme il voudrait être au point culminant que c'est nous qui sommes au contrôle, c'est nous qui dirigeons. Pasteur, oui, nous pouvons le laisser prêcher, mais ce qu'il prêche là, c'est nous qui devons dicter cela. Tous dirigeants de toute section, ils sont libres de tout faire. Mais c'est nous qui contrôlons. C'est le profit qu'ils ont. C'est un profit qui les met à une position que Dieu ne leur a pas donnée. Et l'apôtre Paul a dit que c'est la tradition. Et comme Paul a dit que... Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais ils n'étaient pas sauvés, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Alors ces traditions qui faisaient ce qu'ils faisaient, ils étaient zélés pour la tradition des pères, des anciens, et la tradition de leurs pères, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ont rejeté Jésus-Christ et maintenant, où sont-ils? À l'éternité. C'est pourquoi nous devons revenir, ne pas seulement lire les Écritures, dire que okay, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque là. Qu'est-ce que nous faisons présentement? Voyons la troisième partie ici. C'est la transformation accompagnée d'une justice évidente par le Sauveur. La transformation qui vient. Voyons Galates chapitre 1, verset 23. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonçait maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. C'était l'apôtre Paul, un traditionnaliste, un pharisien religieux, un fanatique. Néanmoins, la grâce de Dieu lui est arrivée
et le changement, la transformation sont survenus dans sa vie. Et maintenant, l'évangile qu'il avait persécuté et les gens, le peuple de Dieu qu'il avait persécuté, et alors un changement est survenu dans sa vie. Au lieu d'essayer de les changer, lui-même est transformé. Il est maintenant changé et ils ont appris de lui que celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et le verset 24 dit: et elle glorifiait Dieu à mon sujet. C'est ce que le Seigneur espère, qu'il y ait un puissant changement en nous, qu'on abandonne les traditions et les choses qu'on faisait contrairement à la vérité de la parole, que nous subjuguons, que nous faisons oublier, nous faisons oublier la parole de Dieu aux gens, alors que ces choses soient rejetées et que nous invoquions le Seigneur pour un changement de cœur et une transformation, et que nous nous offrions au Seigneur, non pour défendre la tradition, ni pour protéger la tradition, ni pour être englouti par la tradition, mais d'embrasser la parole de Dieu en toute sincérité, en toute honnêteté, sans hypocrisie. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, les compassions qui nous sauvent, la miséricorde de Dieu qui nous sanctifie, les compassions qui nous guérit, je vous exhorte donc parce que vous avez goûté, parce que vous avez reçu les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde a sa tradition. Le monde a ses pratiques. Le monde a tous les principes par lesquels il fonctionne. Arrivez là où vous travaillez, où ils vont t'instruire comment ils font les choses là-bas. Que ici, voici comment ils font leurs choses. Voici les choses particulières qu'ils font dans ce département-là. Il n'y a rien qu'on fait ici qui soit entendu ailleurs. Si on falsifie un reçu là, ça s'arrête ici. Si on falsifie quelque chose, cela s'arrête ici. C'est le monde. Et ce sont les traditions dans le monde. Alors il y a des traditions religieuses, il y a des traditions politiques, il y a des traditions mondaines. Alors lorsque vous rentrez au sein du peuple de Dieu, ces choses ne sont pas là. Vous n'avez pas les traditions mondaines, vous n'avez pas les traditions religieuses. Tout ce que vous faites maintenant, c'est que vous comprenez que tout ce qui est du monde, alors vous n'allez plus les pratiquer ici, les signes qu'ils donnent. Admettons que quelqu'un travaille dans le monde et vous êtes dans un département donné. On t'a déjà dit que voici la tradition ici, voici comment on fait les choses ici. Et puis, si tu parles à une autre personne dans un autre département, et comme il passe, il voit que c'est comme tu es en train de révéler le secret de ce département, ils vont rester debout pour te regarder, ils vont faire un signe que l'autre ne peut pas décoder, et déjà tu reviens à toi-même, dis que oui, je sais ce qu'il me dit, et je vais essayer, oui, d'obéir à la tradition, et tu changes tout. Si cela rentre dans ta vie maintenant, si tu es maintenant comme ceux qui si maintenant tu es là à veiller sur les gens, s'ils sont libre à obéir à la parole de Dieu, à faire ce qui est bon, et tu viens, tu vois que l'homme là peut arriver à un niveau de révéler ce qu'il ne doit pas révéler. Alors ça veut dire que tu n'es plus pour la vérité, tu te tiens pour la tradition et tu as peur que ta tradition peut être annulée. Toutes ces choses empêcheront les gens d'aller au ciel. Parce que l'hypocrisie est entrée, la mondanité est entrée, les traditions du monde, alors toutes sont entrées. C'est pourquoi c'est dit ici que ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Allons au deuxième point ici, deuxième point. Nous allons voir le sort tragique des enseignants pris au piège des traditions en vogue. Parfois, les traditionalistes, les hypocrites, les gens religieux, ils savent que ceci est mauvais. Et ils pourraient avoir une crainte intérieure que si je continue de cette manière, irai au ciel, mais ils sont piégés. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Et par habitude, ils continuent ce péché mignon pendant que leur cœur leur disait, c'est comme tu es piégé. Hein? C'est comme ce comportement, c'est comme cette conduite. Alors, tu as englouti et tu es dans cette tradition et tu ne sais pas réellement le Seigneur. C'est comme tu es un cercueil vide. Tu dois briser cette cage et tu dois donner ton allégeance et ta fidélité au Seigneur. C'est ce qui va t'aider à sortir de ce piège, le sort tragique des enseignants pris au piège des traditions en vogue. Nous allons voir trois sections ici. 1. La réaction des hypocrites dans une tradition religieuse. 2. Le déracinement des plantes réprouvées. 3. La rétribution des gens rigides dans la transgression. Première partie, la réaction des hypocrites dans une tradition religieuse. On va à Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Pensez-y, lorsque la femme là, qui a été prise en flagrant délit d'adultère, a entendu la parole de Dieu, elle n'était pas scandalisée. Quiconque veut avoir le salut, veut aller au ciel, n'est pas scandalisé. Lorsque Zachée est descendu du sommet de l'arbre, et les gens ont dit que Christ est allé loger, est allé chez un pécheur, on l'a appelé pécheur, mais il n'est pas scandalisé. Mais quiconque cherche le salut, le changement de vie, quiconque veut aller au ciel, n'est pas blessé par l'application. Lorsque les disciples ont appris que Jésus leur a dit que si vous n'êtes pas humble, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, et si vous ne vous convertissez pas, vous n'irez pas au royaume de Dieu, ils n'étaient pas blessés. Et si les gens cherchent le ciel, si tout leur objectif, leur désir, c'est d'aller au ciel, la parole qu'on entend, même si cela condamne leur allégeance à la tradition, si cela condamne la position qu'ils détiennent, ils ne sont pas blessés. Ce sont les gens qui ne demandent pas le salut, les gens qui ne sont là que pour la religion, les gens qui ne veulent que d'observer les traditions en vogue sont les gens qui sont blessés lorsque la parole de Dieu leur parvient. Donc les disciples s'approchaient et lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Je prie que vous ne soyez pas scandalisés. Je ne serai pas scandalisé. Je loue le Seigneur dans ma vie personnelle que lorsque je suis devenu né de nouveau, tout ce que je demandais, c'est le salut du Seigneur. Et puis, je voudrais propager ce salut du Seigneur. Laisse-moi vous dire ceci. Mon pasteur, à l'époque, non à Lagos, j'étais à l'intérieur du pays, dans l'état où j'étais né de nouveau, il n'était pas content de quelque chose dans ma vie. Il n'était pas content que moi je n'ai pas donné toute l'attention que je dois donner à la musique et à tout cela.
et ils ont besoin d'un pianiste dans l'église. Et puis, et réellement, je ne m'abandonne pas à cela. Ils veulent que je coiffe cette session, mais je regarde une autre direction. Et ils prêchaient un dimanche matin. Et comme ils prêchaient le dimanche matin là, alors il était pris par le mensonge. Il était ému. Et puis, il m'a appelé ouvertement. Alors, il a mentionné mon nom dans le message, il a dit, Komoyi, je croyais qu'il veut que je me lève. Je me suis levé, je dis, hey, assieds-toi là-bas. Et puis, je me suis assis. Je n'avais pas honte. Je savais qu'il est le pasteur. Je ne vais pas lui enseigner comment prêcher. Le dimanche prochain, je suis encore venu. Le mois qui suit, je suis venu à l'église. Je suis resté dans cette église. Jusqu'à ce que, à cause de l'évangélisation et tout ce que je faisais pour l'étude biblique, ils ont senti que non, que je ne dois plus rester là-bas, que moi j'ai une église, avoir une église dans l'église. Je n'étais pas scandalisé. Alors, lorsqu'ils ont annoncé mon nom pour m'excommunier, alors je n'étais pas blessé. La semaine qui suit, je suis allé le voir. Et que, pourquoi tu as fait ce pas? Voici ce que je fais. Pourquoi tu as annoncé mon nom? Il a dit que ce qu'il voudrait dire. Alors, je continue de lui rendre visite. Lorsque tu veux le salut, lorsque tu veux garder le salut et rester dans la voie du Seigneur, les prédicateurs ne doivent pas regarder les visages avant de prêcher. Mais ces gens-là, ils étaient scandalisés. Dieu merci, je ne serai pas scandalisé. Pourrais-je entendre votre voix? Voyons. Galates chapitre 4, 16. Galates 4, 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? L'apôtre Paul a posé la question aux Galates. Maintenant, quelle est votre attitude? Quelle est votre disposition? Est-ce que vous me prenez pour ennemi parce que je vous ai dit que vous devez demeurer dans le salut si vous voulez aller au ciel? Est-ce que vous me prenez pour ennemi parce que je souligne à maintes reprises que la circoncision est inutile, que ce qui importe, c'est la nouvelle créature? Suis votre ennemi maintenant parce que je souligne le fait de rechercher la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je prie que vous ne soyez pas scandalisés. La réaction de ces hypocrites dans une tradition religieuse. Voyons la deuxième partie ici, c'est le déracinement des plantes réprouvées. Alors, nous allons à Matthieu, chapitre 15, verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Tout prédicateur, tout pharisien, tout religieux, tout traditionnaliste qui n'est pas envoyé par le Père et veut tordre le cou du salut par la grâce à travers la foi, toute plante que n'a pas planté le Père céleste et lui vient et il veut souligner la tradition au-dessus de la vérité de la part de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit que le Père céleste va la déraciner. Donnez-moi un bon amen. Toute idéologie, tout principe, toute autorité, toute personne autoritaire, toute tradition, toute dévotion religieuse que le Père Céleste n'a pas plantée dans son royaume. Alors ce qui détruit le royaume, ce qui apporte la pensée des gens, l'esprit des gens hors de la vérité et loin de la vérité, qui conduit au salut, à la sanctification. Et cela dirige l'Église, conduit l'Église à devenir nominale, devenir une Église qui ne prie plus, une Église qui n'a pas de transformation de caractère, toute plante.
que le que n'a pas planté le Père céleste, que n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Je prie que nous ne soyons pas du nombre de ceux-là que Dieu a finalement décidé que je dois le déraciner, je dois la déraciner. Je prie que nous demeurions fermes dans le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allons à la troisième partie ici, la rétribution des gens rigides dans la tradition. Nous allons à Osée 4. Osée chapitre 4, verset 17. Éphraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. Lorsque Dieu parle et parle et parle à maintes reprises, les Éphraïmites, les pharisiens, les traditionalistes, ils disent que c'est pour un temps qu'ils continuent de parler pour un moment. Et après le temps-là, lorsqu'ils seraient fatigués de souligner la vérité du salut et la sanctification et la sainteté, nous sommes toujours ici, ils sont rigides dans leur transgression. Le Seigneur dirait que qu'est-ce qu'il peut encore faire? Que laissez-les. Je ne serai pas pareil. Vous ne serez pas ainsi. Puisse le Seigneur nous garder au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Matthieu chapitre 15, verset 14. Matthieu 15, nous lisons le verset 14. Matthieu 15, verset 14 dit, laissez-les. C'est exactement ce que Osée a prophétisé en chapitre 4, 17 qu'on a lu. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Les traditionnalistes, les religieux rigides qui professent diriger les gens, eux-mêmes, ils tombent dans la fosse, le jour du jugement, et les gens qui les dirigent, eux aussi vont tomber dans la fosse. Nous allons au troisième point. La grande foi pour une transformation totale à travers la vérité. Nous allons à Matthieu chapitre 15, le verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Le verset 23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et le dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Le verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Verset 25, « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi. » 26, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. 28 dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je prie que ce résultat de la foi se reproduise dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois sessions ici. Première partie, le test ou l'épreuve d'une foi guidée contre les obstacles. 3. La ténacité d'une foi gardée avec humilité. Numéro 3, le triomphe d'une grande foi dans le cœur. Première partie ici, c'est l'épreuve d'une foi guidée contre les
obstacles, contre tous les obstacles. Lorsque la femme là venait, elle savait qu'elle venait à Jésus pour une chose définie. Elle avait la chose définie là à l'esprit. Quel que soit ce que dirait Jésus, cela ne n'empêchera pas cet objectif, quelle que soit l'attitude que les disciples vont développer contre elle. Alors, cela ne va pas déranger son objectif. Quelles que soient les situations, les circonstances qu'elle va raconter, comme elle venait à Christ, elle a décidé que je vais pour quelque chose. Je vais obtenir ce que je veux. Je viens pour sa miséricorde, la miséricorde qui va délivrer, la miséricorde qui va guérir. Et comme je viens pour cela, rien ne m'empêchera. Nous devons avoir cette attitude que lorsque tu viens au culte, lorsque tu viens en écouter la parole de Dieu, quel que soit le moment, tu as quelque chose à l'esprit. Tu dis au Seigneur, voici le pourquoi je viens. Je veux être pleinement restauré. Je veux être totalement, complètement être saint. Je veux être prêt pour l'enlèvement. Je veux être prêt. Je veux avoir ce que tu as pour moi. Je veux renouveler et mes expériences que j'ai faites en toi. Lorsque cela est là et que tout le monde a cet esprit dans le Seigneur, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu rencontres, quel que soit ce qui te confronte, cela ne va pas te secouer. C'est pourquoi la femme avait ce qu'elle voulait. Matthieu 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur. » C'est ce qu'elle voulait. C'est ce qui fait sa focalisation. Et c'est ce qu'elle demandait au Seigneur. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Le verset 23 dit, « Il ne lui répondit pas un mot. » Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Elle n'a pas la foi. Si elle n'a pas la foi ferme au Seigneur, toutes ces choses vont l'empêcher. Rien ne vous empêchera. Il y a des gens qui voient seulement les nuages. Et la pluie n'a pas commencé, cela les empêchera. Je voudrais aller à l'étude biblique. Je voudrais aller au développement des dirigeants. Je voudrais aller à la réunion de jeudi. Je voudrais aller à la formation des ouvriers du samedi là. Mais regardez les nuages. La pluie n'a pas commencé, même à tomber. Quelqu'un leur dit que vraiment, l'embouteillage en route là, c'est terrible. Hein? C'est comme on ne sait pas ce qui se passe. Cela suffit déjà pour les dissuader. Peut-être ils sont un peu affamés et ils disent que je ne sais pas si je peux essayer d'être là et si je peux revenir avant de manger. Mais un ami les appelle, une distraction leur est survenue. Cela suffit déjà pour les empêcher. Et peut-être ils ont un projet la semaine prochaine, ils vont voyager. Et quoi que la semaine ne soit pas encore arrivée, cela suffit pour empêcher certains. Mais cette femme-là, il n'y a rien qui l'empêche. Rien ne vous empêchera. Donc, elle continue et s'est dit au verset 24. Verset 24 dit, « Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle n'a pas cessé à cause de cela. « Moi, je ne vais pas m'arrêter. Vous n'allez pas vous arrêter. » Voyons la deuxième partie ici, c'est la ténacité d'une foi gardée avec humilité. Matthieu chapitre 15, verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui. Toujours, elle adore le Seigneur après que le Seigneur lui avait dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner après que les disciples lui ont dit. Elle cria après nous,
renvoie là, c'est l'attitude d'une personne qui a foi au Seigneur. Et cette foi est gardée. Et il répond, mais elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Elle appelle toujours Seigneur. Et le verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ceci doit finaliser et sa désinvolture envers le Seigneur. Est-ce que tu voudrais dire que moi je suis une chienne ou bien un chien? Est-ce que tu veux dire que ma tribu, nous les païens, que nous sommes tous des chiens? Est-ce que tu voudrais dire que les juifs sont meilleurs que nous? Mais est-ce que toi aussi là, tu as cette discrimination, cette distinction religieuse, raciale? Mais que... Elle n'a pas dit, vers sur ton langage, si tu as une bonne disposition, tu vas parler comme une personne qui demande quelque chose. Tu auras le respect pour le Seigneur, le respect pour la personne de qui vous voulez avoir la bénédiction. Cette femme n'a pas montré l'impolitesse au Seigneur, lorsque Jésus lui a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et la femme a répondu. Comment a-t-elle répondu? Voyons le verset 27. 27 dit, oui, oui, Seigneur. Elle l'a toujours appelé Seigneur. Cependant, il dit que oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombe de la table de leur maître. Et elle a reçu ce qu'elle voulait. Avec la bonne attitude, avec la bonne disposition, vous aurez ce que vous demandez. Voyons le verset, voici le numéro 3 ici, c'est le triomphe d'une grande foi dans le cœur. Matthieu 15, je lis le verset 28. Matthieu 15, je lis le verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Dieu vous exaucera. Votre foi ne va pas dérailler au nom de Jésus-Christ. Votre cœur ne deviendra pas impoli, mais vous allez respecter la source de la parole, la source des prodiges, la source de l'œuvre de la parole de Dieu qui entre votre vie comme vous ouvrez la bouche en disant Seigneur, voici ce que je veux, et vous n'allez pas ici et là, et la réponse surnaturelle viendra à votre prière au nom de Jésus. Amen. Votre foi triomphera. Votre foi vaincra. Votre foi va dominer sur tout ce qui se tient sur votre voie au nom de Jésus-Christ. La tradition partie. La transgression ôtée. L'hypocrisie ôtée. Et le cœur souillé, tout cela est ôté. Maintenant, ton cœur se focalise sur Dieu et le sang de Jésus te purifie de toute iniquité et tu te tiens sur la vérité. Si tu t'es égaré dans le passé et maintenant tu défends la religion, tu défends les opinions, l'hypocrisie, tu défends les rites religieux et les cérémonies religieuses, les rites religieux, les cérémonies religieuses. Maintenant, Dieu Seigneur t'a appelé à la vérité de la sanctification. Il t'appelle au centre de la volonté, de la voix de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et tu ne vas pas intentionnellement ou par inadvertance voler, éclipser la parole de Dieu du cœur des gens. Tu ne seras pas scandalisé par la vérité, mais tu vas tenir sur la vérité et tu vas vivre par la vérité, demeurer dans la vérité tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et toi et moi,
nous allons joindre, conjuguer notre cœur, notre esprit, nous consacrer ensemble et combattre pour la foi qui a été délivrée au sein, une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là? Dieu peut-il dépendre de toi? Pouvons-nous compter sur vous? Tenez-vous debout et priez le Seigneur. Que votre esprit, priez que l'esprit du pharisien, l'esprit des traditionnalistes, que l'esprit de ces hypocrites ne soit pas dans votre vie. Que vous teniez ferme, que vous soyez ferme sur la part de Dieu, dans la volonté de Dieu et dans la voix de Dieu. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière.